On avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Eto, tu dis quoi? On avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. En quelle année comme ça, papa? On sort en 2002. Attends. Ça m'établisse du mal. En 2002, vous aviez une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Oh, les gars, pardon, laissez-le nous expliquer un peu. C'était ça, l'équipe était comment? L'équipe du Cameroun en 2002 pouvait gagner la Coupe du Monde. Papa, explique un peu, nous-mêmes, on comprend aussi. On avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Mais rien. On sort en 2002. Attends. Ça m'établisse du mal. En 2002, vous aviez une équipe pour gagner la Coupe du Monde. On sort avec 4 points. C'était quoi votre poule? Coupe du Monde. On avait l'Arabie Saoudite, l'Irlande, l'Allemagne. Et je te dis, on mène 1-0. Je dribble je ne sais pas combien de joueurs sur la ligne. Je fais une passe à Patrick Mboma sur la ligne. Il rate. Il ne pouvait pas rater. Même ma grand-mère allait marquer. Mais je te dis, jeune homme, il vient vers moi, il me dit, t'es le meilleur joueur au monde, mon petit frère. Il court vers moi, il me dit... Le plus petit. Oui, j'étais un gamin, Patrick, c'est Magic. Il me dit, t'es le meilleur joueur au monde. On se fait rattraper au score. Arabie Saoudite, je marque, on gagne 1-0, on a 4 points. On joue l'Allemagne. On a au moins 6 occasions de but. Et t'as pas marqué. Face à Oliver Kahn, je joue avec le Perronnet, pété tout le match. Et on sort de cette compétition. Mais on sort pourquoi? Parce que physiquement, on a été éprouvé. On a fait 72 heures pratiquement pour rejoindre le Japon. Tu comprends? Et puis on a 2010. Tu pouvais gagner aussi 2010? On ne pouvait peut-être pas gagner, voilà, mais on pouvait jouer la demi-finale. Mais tu sais, quand tu es déjà en demi-finale, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Hey! Et tout! Hey! On gamin! Quand il y avait une équipe une année, en 2002, le vert, rouge et jaune, qui pouvait gagner la Coupe du Monde. Ah, la Coupe du Monde. Hé, hey, Gambin, c'est vrai que nous, on te soutient. Mais baisse le niveau, grand. La Coupe du Monde. Mais juste en restant vous comme ça, on dit que le Cameroun a gagné la Coupe, a remporté la Coupe du Monde. Non. Amen. Pardon, viens dire ce que tu avais à dire à Samy Eto'o là, parce qu'à l'heure, s'il est... Samy Eto'o dérange. Hé hey, Gambin, c'est vrai que tu as formaté le cerveau de certains Camerounais. Je suis tombé sur une vidéo là, une Matel là qui m'a fait rire jusqu'à... Matel, tu disais que Eto'o est comment? Ce qui me plaît comme ça sur Samuel Eto'o, c'est quand tu vois comme ça, au stade comme ça, non. Et tu vois Eto'o, Eto'o arrive toujours la dernière personne. Et tous les ministères, les gens très très importants là sont déjà s'asseoir. Et Samuel Eto'o vient souvent comment il est en train de toujours arranger son blazer comme ça, non. Quand il arrive comme ça, c'est là où les mères s'élèvent. Il dit que Eto'o, elles ont contact. Je regarde comme ça, je dis que ouais, c'est comme ça qu'on aime quelqu'un. C'est comme ça qu'on aime quelqu'un. Un amour platonique comme ça. L'amour qui est réciproque. Tu vois qu'on l'aime et tout. Toujours souvent, on dit que non. Ce que tu donnes aux gens, c'est ça qui va arriver à toi. Ouais, papa et tout. Papa et tout. Le lion, c'est non, ça ne va. Ouais. Maman Géa avait chanté ça. Elle savait. Ouais, tu vois comme ça, les femmes des ministères se lèvent comme ça, elles disent que ouais, et tout. Même les pères aussi se lèvent. Ouais, on aime quelqu'un comme ça. Ah, Samuel et tout. Le gars là, il mange que quoi, non? Ouais, maman Georgette, tu prépares quoi pour lui, non? Donne-nous un peu, on prépare un peu pour nos maris, que même nous-mêmes, on n'aime pas nos maris, même. Nous aimons que ton mari. Maman Jo. Je vous salue, maman. Prends bien soin de notre mari. La merci m'a tué. Hey. Ça m'est tout. Il dit que papa, tu as donné quoi au Camerounais, non? On peut aimer quelqu'un comme ça. Hey, Adama. Ma soeur, tu disais aussi que tu avais un message pour Nana. Là, tu disais quoi? Non, Nana, je ne sais pas qui te conseille, mais pardon, papa, calme-toi. Calme-toi, on a vu ici l'année passée. On a eu pitié.
On a dit non, les malentendus, ça peut arriver, ça peut arriver qu'ils se prennent la tête et tout. Mais pour l'amour qu'on a pour toi, pour l'amour qu'on a pour le Cameroun, on a laissé tomber. Mais tu vas pas me servir ça tout le temps, non. Parce que toi, tu essaies toujours de sortir du lot. Personne n'a sa place assurée. Le Gambet a dit ça. Et c'est vrai, tu n'es pas indispensable. Hein. Arrête de jouer avec les sentiments des Camerounais. Parce que vous, quand c'est les étrangers, vous respectez, vous êtes au taquet. Mais quand c'est les gens du Cameroun, on a vu ça avec tonton Rigobert. Vous n'avez pas respecté. Aujourd'hui, tu viens nous dire que tu respectes les ordres du coach. Ah bon? Ah bon? Mais pourquoi tu ne respectais pas tonton Rigobert? Parce qu'il est Camerounais? Parce qu'il est Camerounais? À un moment donné, pour te calmer. Hein. Donnez les passeports, vous allez jouer, vous faites genre. Pourquoi le Cameroun toujours? Vous ne pouvez pas faire comme les autres pays? Pour vous, sort toujours un genre. Il y a quoi même? Stop it! Stop it, please! De toutes les façons, les gars, le match, c'est tout à l'heure à 17h. Donc, je compte sur mon bro Onana. Un peu comme la fois passée, non? Parade! À tout à l'heure, les gars. Hé, hey, mon frère, j'ai failli oublier. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. High Tech Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit, allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, j'ai dit encore sous réservation. High Tech Training Institute est situé au 3e étage Fundy Mall, Yaoundé, au lieu-dit Kameko. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. High Tech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique, HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé, grâce aux formateurs chevronnés et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. High Tech Training Institute est situé à Yaoundé au Fundy Mall. Téléphone 695 87 35 42. Email info@htti.net. Site web www.htti.net. High Tech Training Institute. Knowledge is power.